Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, c'est Petit Prince. Je vous retrouve ce soir après de très 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 nombreuses galères pour un record. Pour un record sur GTA RP, pour la simple et bonne raison que j'ai tenté de streamer, ça n'est malheureusement pas passé. J'ai pas assez de ressources, enfin mon PC en soi peut streamer, c'est pas la question. C'est juste que je pense que je manque un petit peu de connexion. Là il va se passer que je vais faire ça par épisode. Je vais stream la soirée, enfin je vais record la soirée. Et on verra en suivant si je peux faire quelque chose avec ou pas. Bougez pas 30 secondes. Voilà. Donc là, je vous retrouve, je suis à la banque, je suis avec Franck, que vous avez en face de vous. Je suis à la banque, je viens de poser 6000 dessus après m'être réveillé à l'hôpital parce que je me suis fait balancer un duo de la Tour Eiffel complètement gratuitement, ce qui n'a aucun sens. Donc Franck ne se souvient pas de ce qui s'est passé parce qu'il s'est fait réveiller par l'unité X. Donc là on se retrouve à la banque et j'espère juste que je vais pas avoir de problème. Je vais appeler le frangin pour savoir où est-ce qu'il en est. Ah, il me raccroche à la gueule. Dans une heure max, on a quelque chose de prévu. On a quelque chose de prévu. Faudra que je gère proprement. En tout cas, je m'excuse pour tous ceux qui espéraient le stream. Du fond du cœur, je suis désolé. Voilà. Je le dis haut et fort. Du fond du cœur, je suis complètement désolé. Mais j'espère que, en tout cas, au moins la vidéo vous plaira. En tout cas, au moins. Mais là, c'est la merde. J'ai fait une tentative, ça a été la misère. Il faudra que j'aille sur Twitch, que je vire les trucs. Là, c'est la merde. Genre la merde de ouf. Donc là, on est en centre-ville. But étant de trouver une bagnole. Pardon. But étant de trouver une bagnole pour pouvoir se déplacer, en fait, les gars. Putain. Et il me gonfle vraiment. Ça m'énerve. Le concess autocase, non, ça c'est un quoi, peut-être non, autocase, non, c'est pas ça. Où est-ce qu'on a concess auto? Attends, ça c'est le benefactor, je crois que ça c'est le ok, je vois que ça, en tout cas c'est quoi ça, vente de véhicules, non, ça se passe là. J'ai juste à redescendre la rue. Espérant qu'il m'arrive pas une galère. On va courir un petit peu. C'est pas très RP, je sais, mais là, les gars, on a aucun véhicule, on a rien. En tout cas, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous, ça va. Moi, pour ma part, ça va, par tous ces problèmes techniques, ça va. Ça va. Oh, la police. De toute façon, ils peuvent venir me contrôler, j'ai rien sur moi. Je suis désolé, hein, je peux pas m'en empêcher, mais faut que je regarde quelque chose vite fait, rapido, parce que là.
Voilà, refus. Désolé, il fallait que je vérifie un petit quelque chose. Vous l'aurez pas vu en soi normalement. Qu'est-ce que... Ah oui, mais ça c'est l'hôpital. Pas un vélo, quelque chose. Y a pas une connerie là, un véhicule qui traîne à la con là. Pas une bagnole à voler. Un Vespa, une connerie. Un vieux scooter de merde, je m'en fous, mais putain. Du coup, je vous retrouve. Ouais, voilà, je vous retrouve sur le serveur. On est sur le serveur Fraternity. Moi, je vais, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vais record toute la soirée. J'essaierai de faire des cuts, des épisodes, des trucs, des machins. Je vous mettrai tout ça sur YouTube sans problème. Bordel, je suis dégoûté par tous ces problèmes techniques, vous avez même pas idée, genre vraiment quoi. Ça m'a fait vraiment vraiment chier quoi. Mais bon, normalement ça devrait aller un peu mieux. J'espère en tout cas. Bon, ce qui est bien c'est qu'on s'est refait un peu en termes de pognon parce que... Oula! Avant que je vous retrouve, enfin avant que je gagne à la roue... J'avais pas grand chose. J'avais vraiment pas grand chose. Donc vous pouvez voir que par rapport à mes vidéos précédentes, il n'y a pas de cam. C'est volontaire. Oula. C'est complètement volontaire. C'est pour l'immersion en fait, tout simplement. Je vous parlerai, je serai là, mais vous ne me verrez pas. Vous verrez pas mon visage en fait. C'est complètement voulu, c'est pour l'immersion. J'essaierai de me débrouiller pour... Qu'est-ce que c'est ces bécanes là-bas, elles attendent quoi? Ok, on y est presque. On y est presque. On va marcher tranquillement. Ah mais c'est la... Ok, c'est la motorisée. Oui, précision. Si jamais on est sur un serveur français, full France, c'est-à-dire que là j'ai la roue, j'ai été la tourner à la Tour Eiffel, il y a la police nationale, enfin c'est français quoi, c'est clairement français. Donc voilà. Et là on se retrouve en centre-ville à devoir marcher. J'ai pas encore acheté ma bagnole. Le background du perso c'est ancien pilote de rue, devenu transporteur à la recherche de son frère. Il a eu une information pendant qu'il était en train de faire une livraison, que son frère était dans cette ville et donc il a débarqué en ville pour retrouver son frangin et voilà. Donc j'ai passé mon permis déjà de conduire. J'ai fait un peu d'argent dans l'illégal, mais en soi rien de fou quoi. Là le but il est de trouver le but il est de réussir à joindre le frangin pour pouvoir acheter une bagnole en fait, tout simplement. Déjà vu que j'ai charbonné avec lui. Allô? Ok hermano, désolé, j'avais business important. Non, tout va bien. C'était une réussite, tu vois, alors c'était important, tu vois, de tout faire va ça. Bien, okay. Tout va bien. Écoute, je crois j'ai trébuché, j'ai dû me faire mal à la tête et je me suis réveillé à l'hôpital. Et oh là, je suis... Là. Bah écoute, je sais pas, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, hermano? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je te dis, j'en sais rien, je sais pas ce c'est que m'arrive. C'est bizarre ça, tu as un accident de voiture? Je sais pas, tout ce que attends, je sais, c'est attends, que j'ai attends, mal. Attends, monsieur, je vais sortir la voiture du garage tout de suite, ok? Ah, c'est Taz? Ok, attends, j'avance un peu, je croyais que tu voulais sortir la voiture. Tu veux monter, Taz? Viens. Bah, venez me chercher, non? On va aller chercher... What the fuck? What? What? Excusez-moi là, qu'est-ce qui s'est passé là?
Waouh! J'ai absolument rien compris, les gars. Je vous le dis direct, j'ai rien compris. Vraiment, je vous jure, j'ai absolument rien compris à ce qui vient de se passer, les gars. J'ai pas compris là, là j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe, putain? Maintenant, il me répond plus. Ce qu'on va faire, vous savez quoi? C'est qu'on va se mettre sur la radio. On va se mettre sur la 288. Bam. 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 Allô? On m'entend sur la radio? Allô? C'est quoi ce son de ouf là? J'ai pas compris. Allô? Attends, Arman, parce que j'ai renversé un agent de police là. Là, c'est la merde. Tu vas avoir du problème, toi. Ah, tu sais bien, la conduite, c'est pas mon fort. Attends, attends, parce que le téléphone Putain. n'arrête pas de sonner là. Vas-y, tu sais quoi? Je me dirige vers le concessionnaire, hein. Attends-moi là à l'hôpital, je vais venir te chercher. Moi, je suis déjà loin de l'hôpital. Il y a un médecin qui m'a déposé à la banque parce que j'ai regardé dans mon poche, j'avais 6 000 euros dans le poche. Ok. J'ai posé à la banque, puis je me suis dit que j'allais marcher un petit peu. Donc là, je vais vers le concessionnaire. Ok. Je suis quasiment arrivé Ok, man, d'ailleurs. je te prends parce que là, je vais te rendre Ouais, compte à règle ton l'hôpital. problème. Putain, mais quel handicapé. Attendez, parce que. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Putain. Attendez, hein, tout le monde, faut que je règle un tout petit problème parce que là, ça me rend fou, ça va me foutre la merde à chaque fois, je sens. Là. 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 Là et là. Voilà. Voilà, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Voilà, on arrive au concession auto. On va aller voir les prix un peu. On va aller voir les prix un petit peu. Ah, je comprends, ouais. Tu vois, comme Mais je tu t'ai n'as pas commencé ton à masser ce anniversaire. genre de truc. Ouais. Bonsoir, Comme tu n'as pas monsieur. ton anniversaire. Bonsoir, Bonjour, bonsoir. bonjour. Vous y allez bien? Très bien, vous? Ça va. Ça va, ça va, ça va. Un petit peu froid ce soir, hein. Bah, Denis, Oui. tu vas acheter ton vélo et tu le mettras dans le garage là-haut. Ouais, parce que. Non, non, viens, on se casse, Les on laisse ton gars. quartier à vélo. Non, ça se fait pas, non. Bon, bah, du coup, Alors, je attends, casse. BMX. Ouais, mais ça me fait chier, moi, d'avoir que des BMX dans mon garage. Ça me Et fait lui, trop t'en as mal. deux.
Ça se trouve une bagnole. Ouais, bah deux citrons qui paye un peu. Tu verras, t'es bien content d'en avoir deux. Au moins, tu pourras en prêter un si, voilà. La petite Aston. Bah, tu là. Dis que c'est la faute à Fatou, au pire. Ouais, elle l'a lancé de. Elle était ouais, vraiment énervée qu'elle a lancé le vélo pas à la fin. Avec ses joues, elle l'a trop poussé. Non, mais toi, hier, t'as pas vu ce qu'elle m'a fait, Jogo. Non, j'étais pas là hier, moi, je faisais dodo. Je lui ai tiré sa perruque sur le toit. Frère, elle m'a mis une gifle. Ce... Ça, du toit, ça la limite, ça pourrait être un mal en vrai. J'ai atterri dans l'air. Dominator, mais elle coûte cher de ouf. Ça, ça peut être pas mal aussi. Une gauntlet. Une gauntlet. Ça, c'est un peu de gueule, mais je suis pas très très fan en vrai. La Deviant. La Dominator de luxe. Ouais, super cher. La Ellie est pas mal. La Ellie est pas mal et pas trop cher en vrai. On va pas regarder ici. Pam 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 pam. Ouais, ça, c'est les supercars, j'imagine. Ouais, clairement. C'est clairement des supercars. Les compacts. Non, clairement pas une compacte. Dans les classiques, qu'est-ce qu'on a? Ça, ça peut être pas mal, on voit ça, un peu de gueule aussi. En fait, si vous voulez, il faut que je trouve une caisse qui soit propre pour pouvoir être chauffeur en fait. Chauffeur privé. Ouais, après on repasse les mêmes. Qu'est-ce qu'on a en SUV? Ouais, c'est pas fou le SUV. On va rester dans les coupés du coup et on va se partir sur un. Ça en vrai, ça me paraît pas trop mal. Celle-là, elle me paraît sympa. Je pense qu'on va partir là-dessus comme bagnole. En vrai, je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais, on va partir sur une... la F600 est pas mal aussi. F620, c'est pas trop mal. Ouais, bah go F620, en fait. Go F620 les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais MDR. Ouais. On va partir sur une F620, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal la petite F620 là. Ça c'est encore un truc de taxi de merde là. Taz, toi sur le radio? Ouais. Ça va, tout se passe bien là-bas? Vous avez des problèmes? Allô? Monsieur le Hamounas. Taz, tu me reçois? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du problème là-bas? Non, on arrive. Ah, je suis au concessionnaire à côté du Hamounation. Bah, attends. Oui, je vous attends, oui, bien sûr. Je fais que ça. Hein. On va aller voir si on peut se poser dans la salle d'attente, vite fait. On va se foutre là. Est-ce qu'on peut... ça fonctionne ces machines là? Non, pas du tout. Hein. Là, évidemment. Si, hermano, je t'écoute. Je suis sur la concession et j'ai trouvé le voiture qu'il me faut. Ah, c'est bien ça. Et c'est quoi le modèle? C'est un F620. Ok, c'est combien le prix? 45 000.
Pas de problème, je te porte ça, man, ok? Non, tu es adorable, mon frère, je te remercie, hein. C'est normal, mais je te l'ai dit, man, c'est normal. De toute façon, tu sais que ça sera rendu, hein. Et ta présence, tu me le rends déjà, man, pas de problème. Non, tu es adorable. Ça y est, les gars, on va se payer la wago. Ouais, j'ai poussé un petit coup de gueule un peu plus tôt dans la journée. Après, bon, bah, j'ai peut-être un peu abusé aussi, mais ça fait quasiment une semaine que je suis en ville. Bon, je suis censé être un taxi, mais je vais être franc, hein, les gars. Le taxi, c'est galère de rentrer dans les frais. C'est-à-dire que tu vas faire une course, tu vas péter deux bornes, tu vas rentrer. J'ai fait beaucoup de PNJ, ok, vous voyez, mais. Le truc, en fait, c'est super compliqué de rentrer dans les frais. Il faut payer l'essence, il faut payer la bouffe, il faut payer la boisson. Et le tout, en fait, c'est pas évident, en fait, quoi, pour rentrer dans les frais derrière. Sachant que je crois que c'est 1000 ou 2000 euros la caution du taxi en lui-même. En fait, j'ai perdu de la thune, quoi. Donc voilà, j'ai HRP parlant, j'ai discuté un peu avec lui. Il est OK. En fait, si vous voulez, RP parlant, Franck. Il a un frère qui a disparu, tout ça, et il s'est pointé en ville, en fait, pour le retrouver. Et donc là, on s'est retrouvé, il a retrouvé son frère, machin, bidule, là, ils vont arriver, là. Ils vont pas tarder à arriver, donc là, on va les attendre tranquillou, ils sont en route, on va les attendre à l'intérieur. Et on va les attendre là, dans la salle d'attente, comme si on est sûr de pas avoir de problème. Pas envie de me faire embarquer avant qu'ils arrivent. On va se poser là. Non, pas dessus. Putain de... Non, putain de merde. Voilà, nickel. Voilà, bougez pas, on va s'asseoir là vite fait. Voilà. Nickel. On va rester là, tranquillou. On va attendre peinard. Que ça se passe. On va quand même vérifier, les gars, au cas où. Je vais quand même revérifier le prix de la caisse de la F600 ou de la Z600, voilà, je sais plus. Bonsoir, monsieur. Vous avez un beau chapeau. Monsieur. Vous allez bien? Ça va, vous? Ça va. Vous avez un beau chapeau, dites-moi. C'est vrai, vous allez bien? Oui, j'aime bien. Oh, je vous remercie. Et vous manquerez une petite cravate, ça vous irait bien, je pense. Ouais, c'est vrai. Vous m'avez l'air d'être un homme de classe. J'y penserai. Ah. Ouais, j'essaye. Bah, il faut, hein. Bah, ouais. Il faut attention, quand j'ai pris l'avion, de mettre le costume dans la valise, mais je crois que la... L'hôtesse de l'air, elle a gardé pour elle, hein. Ah, j'ai dû en racheter un quand je suis arrivé en ville en début de semaine. Ouais, 45 500, c'est bon, je pourrais couvrir derrière. Nickel. Je peux vous permettre une question? Oui, bien sûr, allez-y. C'est quoi votre petit nom? Moi, c'est Julien. Julien, enchanté, je m'appelle Franck. Ok, enchanté, Franck. Ah, ça fait plaisir. Vous êtes là depuis pas longtemps, dans cette ville? Je suis arrivé en début de semaine. Ah, d'accord. Et vous-même? Moi, ça fait un bon mois maintenant. Oh, vous commencez à connaître la ville, alors? Oui, un petit peu. Vous venez pour m'offrir en voiture, du coup? Non, je rigole, c'est une blague. Non, c'est une blague. Rougissez pas. Y a pas de problème. J'attends mon frère. J'attends le frère ici pour acheter le voiture, justement. Ah, d'accord, je comprends. Et vous venez changer le vôtre de voyage cool? Ouais, j'étais venu voir. J'ai ma Golf devant, ça me suffit. Oh, c'est déjà un bon véhicule, là, hein? Ouais. Oh. Ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous faire attention en sortant parce que je crois que votre veste sera mouillée, hein. Ah ouais. Ils ont pas annoncé de tempête pourtant, je comprends pas. Non, pourtant non. Bah, ça doit être un nuage qui passe. Ouais, ça doit être ça. Ah. Et bah voilà, il suffisait de demander. Et bah voilà, ils ont annoncé la tempête. Putain. Je vous ferai une pause au record, les gars, le temps de la tempête, machin bidule.
Bah, du coup, je vais aller vite me réfugier dans ma voiture et puis aller me. Vous mettre au sec, vous y avez bien raison. Pour la tempête. Je vous serre la main et je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Et bah, je vous souhaite une bonne journée aussi. J'espère merci. Qu'on se recroisera. Bah, au plaisir de se revoir, oui, bien sûr. Ouais. Allez, à la prochaine. Au revoir, bonne journée. Non, c'est pas eux. On va les appeler Vitoff. Oh, ça mouille. Oui, monsieur, l'eau, ça mouille. Allô? Attends-moi, Armand, attends-moi là. Ah oui, je t'attends. J'arrive, je fais au plus vite, mais une seconde. Hein. Ouais, mais faut attention quand même, hein, la route elle est mouillée. Hein. Ok, ça marche, alors on va te rejoindre. Mais envoie-moi ta position là, tu es où? Bah, je suis le concessionnaire à côté de l'Amunation. Va au concessionnaire de voiture. À côté de l'Amunation. À côté de l'Amunation, attends, je te mettrai le point. Ok, on arrive, ok, je fermerai le GSM. Oui, à tout de suite. L'eau ça mouille, bah non connard, et le feu ça brûle, MDR. MDR les chars, MDR, putain de merde, ça me tue putain, l'eau ça mouille. Oh merde. Ah bah le voilà. Bah toi, trouver les routes. Qu'est-ce que tu fais toi? T'as eu accident toi? Bah je sais pas, je sais pas du tout, tu vois. Putain de merde, t'as pris cher toi, mais qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Tu as fait accident toi. Pourquoi, tu me vois couvert de sang? Ah, je te vois le costume là, ça va pas du tout. Ah, va falloir que j'aille au pressing, hein. Tu peux pas acheter bagnole comme ça, c'est la honte, moi je reste pas à côté de toi. Je suis désolé, mais moi je me vois bien, je me vois propre. Salut Taz, tout va bien? Ça va être, hein. Tu feras alors, attention, je crois que tu as le barreau du tabouret dans la bouche. Je donne l'argent, les gars, attention à vous. Hein. Écarte-toi un peu, Taz. Voilà, Arman, ok, achète qu'est-ce que tu veux. Maintenant, adorable. Tu m'as cassé plus les couilles. Hein. Oh, tu es gentil, mais tu es méchant. Hein. Voilà, les gars, let's go. Allez là. Bah alors. Ah. On va se garer au concessionnaire les gars. Ok, voiture verrouillée. On va vite se mettre à l'abri les chais. Et j'irai faire changer la color. Ouais, je vais aller assortir la couleur à mon costume. On va les mettre noir avec un léger bleuté, je pense. On me reçoit sur le radio? Allô? Est-ce qu'on me reçoit sur le radio? On va faire à Valentin Pet, on va se bouger le cul les rails, on va aller à un parking. On va vite fait se bouger le cul. Je vérifie un truc avant quand même. Bougez pas. Ok,
c'est pas là. C'est pas là. Je sorte le véhicule, je pense. Franck, Franck, viens au parking cambriolage. Viens, 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 t'entends là. J'arrive, j'arrive. Allez, go, comme lui, les gars. Les frères, désolé pour le son, c'est peut-être un peu fort, j'espère que vous m'entendez bien. On bouge le cul, la tempête va pas tarder. Ça va en vrai, hein, elle envoie cette caisse, hein. Tu vois, c'est un bon investissement, il faut attention, t'as vu? C'est quoi tout ce bordel là? Oui, je sais pas. Vous avez parlé? Ah ouais, je n'avais jamais vu autant de camping-cars au même endroit, au même moment en fait. Bonsoir. Franchement, c'est bien, c'est assez spécial. Il y a d'autres qui arrivent. Ah ben franchement, félicitations, hein, c'est gars, vraiment... Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je le dis, franchement, c'est un défilé. Hein. Ah, y'a pas que du camping-car apparemment. C'est de la communauté des gens du voyage. Si, c'est ça, amigo, c'est ça. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux alors. Tu comprends mieux? Ah, j'ai beaucoup de respect pour vous, les gars. Ah, merci, c'est gentil. Ah, si, franchement, la classe, c'est la classe. Ok, la dernière caravane pour un. Ah, celle-là, franchement, celle-là, je me rappelle. J'avoue qu'elle est jolie, hein. Regarde, Franck, franchement, je le vois, je le vois. Je le vois, hein. Ouais, c'est des gens qui savent investir, hein. Ah, franchement, les gens du voyage, ils cartonnent, j'ai toujours dit. Je suis d'accord. Ah, c'est des, ça, c'est des bons hommes d'affaires. Dis-moi, mon frère, rapidement, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon investissement, tu crois? Ah, fais voir un peu ce que tu as acheté là. Ça va, il est pas mal, il est belle, franchement. Il faut que je fasse mal. Il faut que je fasse le point tour, mais voilà, tu vois. C'est ton image, sobre classe. En fait. Tu vois? Ah, écoute, j'ai tapé un petit point pour venir. Oui, oui, dès que la tempête elle est passée, je vais à la banque, puis après je vais changer les couleurs si c'est ouvert. Ah, si. Mais j'ai tapé un petit point, 170 hein, sur la route. Hein. Pas mal, avec ça, tu es bien. Il me faut le custom, une fois que j'aurai le custom sous le capot, ce sera parfait. Tu es content, tu vois, j'ai fait un bon investissement. Mais moi, je te remercie du fond du cœur, c'est un beau cadeau. Écoute, moi, je te l'ai dit, chose promise, chose due. Bah oui. Tu vas pas avoir peur avec moi, Herman. Mais j'ai pas peur, c'est juste. J'avais besoin de pouvoir rouler sans devoir t'appeler, tu comprends? Il fallait juste que tu choisisses, Herman, je peux pas choisir à ta place. Oui, bien sûr, et ben voilà, j'ai choisi, tu vois, les balles. Ah ben, je te souhaite la félicitation, franchement. Tu as cartonné, tu as bien choisi, Herman. Bon, je vais donner là mon frère, bien qu'il Oh, je te fais un bisou aussi. Mouah, mouah. Franchement, tu m'as fait plaisir là. Bah, j'ai fait attention, tu vois, et puis je suis content. Je suis très content, tu vois, parce que maintenant, je vais pouvoir me déplacer par mes propres moyens et aussi, il y a deux places. Ça veut dire, si je fais le chauffeur, c'est une personne qui paye, tu vois. Bah, tu sais bien que
Toi tu veux 4 places, tu as la Mercedes. Oui, je sais. Je sais, je te remercie encore. Putain, regarde là-bas, il y a la Porsche de Pablo. Je sais pas, je crois qu'il y a eu un problème. C'est la voiture de Pablo, ça? Ah si, ça c'est la plaque de Pablo, je la connais par cœur, c'est ma bagnole ça. Non, désolé, je regardais si j'avais bien verrouillé ma voiture. Je crois qu'il a un problème, mon petit Pablo. J'espère qu'il n'est rien arrivé. Attends, il faut regarder s'il a verrouillé la voiture. Oui, c'est bon, il a verrouillé la voiture. Oui, j'ai regardé. Je vais l'appeler, attends. Appelle-le. Bon, dès que John il est là, on va organiser qu'est-ce qu'on a à faire ce soir. Oui. On ira dans ton appartement de nouveau. Tu essaies qu'il a le maximum de pognon sur lui. Bien sûr. 200 000, c'est le top. Hein, okay. Bah, je vais lui dire que j'ai une arme pour lui, tu vois. Tu dis pour 200 000, je te la lâche. Bien sûr. Mais d'abord, il faut que je parle à Johnny, hein. Bah, on va parler à Johnny. Mais Johnny, il m'a dit, il veut que tu lui rendes un petit service, un petit plaisir, Herman. Ah oui? Il te le demandera lui-même. Ah bah, il me le demandera lui-même. Il n'y a pas de problème. Mais après, c'est toi qui prends ta décision. Je lui ai dit, je peux pas prendre une décision. Si je peux lui faire plaisir, je le ferai, tu le sais. Ah, c'est toi qui verras ça avec lui. Il me dira. Tu veux... T'en viens et je te fais monter dans la voiture et tu vois là-dedans. Attends, je vais mettre ma voiture au garage. Range ton voiture, oui. Hey, les gars, sérieux. Une Aston Martin, les potes. Petite Aston, là. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Tout ce qu'il faut, les guys. Tout ce qu'il faut, les guys. Tiens, monte dans la voiture, après je le range. Que tu vois dedans, comment c'est confortable. Qu'est-ce que tu en penses, dis-moi. Est-ce que tu es bien assis? Attends, je regarde, oh, c'est propre, hein. Elle est propre, elle sent bon, hein. Ah bah oui, bah c'est mon voiture et j'ai déjà mis le petit sapin, tu vois. Par contre, toi, tu es même pas, Herman. Il faut vraiment que tu changes ça. Oui, je vais me laver. Après la tempête, hein, parce que... Je vais aller au pressing et je vais faire nettoyer le costume. Je range le véhicule et je vais faire une sieste. En attendant la tempête, elle est finie. Hein. Ok, Herman, moi aussi, je vais dormir un petit peu dans le véhicule. Ça va me faire du bien. On se revoit après la tempête, Herman. Moi, je vais le ranger, le véhicule. Ok. Allez, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Voilà, les gars. Alors là, ce qui va se passer, je vous le dis, je vais faire une ellipse. Je vais faire une petite ellipse jusqu'au retour, les gars. Je vais faire une ellipse et je vous retrouve après la tempête. Je vous dis à tout à l'heure, tout le monde, après l'ellipse. Et restez parce qu'il va se passer des choses après. A tout à l'heure, les gars. Gros bisous.